Le 15 décembre 2012, en fin de journée, j'ai découvert que l'un des lieux les plus chéris de mon enfance et de mon adolescence avait été détruit à tout jamais. Pour ne pas trop sentir la douleur, j'essayais de rire en filmant cette nouvelle réalité cauchemardesque, mais l'émotion m'avait coupé le souffle. La petite forêt magique, pleine de recoins, avait disparu pour toujours. C'est ici même, sous ces grands arbres, que m'avait été révélée à 13 ans la beauté de la passion sexuelle et de l'amour. Après quelques jours sans dormir, il ne me restait pratiquement que la haine pour mon voisin, responsable du crime. Il m'avait trahi en me disant qu'il s'agissait d'un simple nettoyage d'arbres morts sur ma propriété. Toute ma vie, j'avais miraculeusement réussi à éviter la haine, peut-être grâce à la fréquentation du bouddhisme, qui m'avait même mené en pèlerinage à l'âge de 20 ans sur les lieux du Bouddha en Inde. Chaque 15 décembre, je rafraîchissais la couche de peinture rouge sang que j'avais appliquée sur la tranche de chaque arbre coupé. Il y en avait 30 que j'ai numérotées dès le premier jour. Mon indignation grandissait au fur et à mesure que le coup de peinture rouge du souvenir les touchait. Pour faire disparaître cette haine grandissante qui me rendait fou, au point d'interrompre presque toutes mes nuits par des visions d'arbres coupés, il était temps de revisiter sérieusement le Bouddha. Il avait toujours été pour moi le dernier refuge, puis avec les ans, la dernière illusion. C'était maintenant de la haine dont je voulais me débarrasser. La haine et l'amour sont tissés de fantasmes et d'illusions, mais la haine dure plus longtemps et va croissant. Elle est plus profonde, plus sourde, et ne s'arrête même pas avec la mort de l'ennemi. J'ai voulu en parler avec mon ami, le philosophe Bernard Potra. Le Bouddha cherche à s'éloigner de la haine par tous les moyens. On dit qu'elle est la plus terrible des passions. N'est-elle pas souvent la source du mal ? Là, je suis entièrement d'accord. Et avec le Bouddha et avec Spinoza, parce qu'en fait, ils sont sur ce point exactement sur la même ligne. Ils sont véritablement l'un et l'autre contre la haine. Spinoza a écrit, par exemple, la haine est démontrée, la haine ne peut jamais être bonne. Donc la question de la haine, elle est réglée. Donc il faut se débrouiller pour vivre sans haine, ce qui n'est pas l'évidence même. La définition de la haine par Spinoza, c'est une tristesse qu'accompagne l'idée d'une chose extérieure comme cause. Alors elle est formidable cette définition parce qu'elle est d'une extension considérable. Parce qu'une tristesse, ça arrive tous les jours, du matin au soir, on a des tristesses, on les nomme pas forcément comme ça, mais par exemple, celui qui me bouscule violemment dans la rue, je peux pas dire que c'est, je trouve pas ça bon. Je trouve pas ça non plus indifférent, donc en fait, ça rentre dans quelque chose que je sens comme mal. Eh bien, le mal, je le ressens comme c'est pas indifférent ni joyeux, comme triste. Et évidemment que la cause, je l'ai sous la main. C'est ce connard qui vient de me rentrer dedans. Donc, en vérité, je le hais. Alors, c'est des toutes petites haines. Mais le processus est exactement le même pour les très grosses haines. Les massives et celles qui donnent lieu, par exemple, à des exterminations massives. Le processus est de toute façon le même. Et d'ailleurs, c'est un processus, au fond, imaginaire, parce que c'est une chose très importante sur cette question de la haine. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans cette définition, il dit une chose extérieure
comme cause, mais cette cause, c'est-à-dire je l'imagine. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et je crois que c'est très important de le souligner, bien sûr que c'est le connard en question qui m'a bousculé, qui est la cause de ma tristesse, c'est-à-dire de ma gêne, du fait que je ne suis pas bien. Mais lui-même se trouve être causé pour être ce grossier personnage. C'est pas, même s'il l'a fait exprès, il ne l'a pas fait exprès au sens où quelque chose d'autre a fait qu'il est devenu ce violent. Bon. Et donc, le haineux, ensuite, qui dit « Connard, tu vas voir ta gueule », parce que, évidemment, moi, j'ai envie de me venger aussi. Et c'est un processus infini. Moi, je vais me venger de ce qu'il m'a fait, lui, ensuite, va se venger de ce que je lui ai fait en réponse à ce qu'il m'a fait, etc. On n'en finit évidemment pas. Et à chaque fois, d'une certaine façon, on n'y peut rien. Ça, c'est la thèse la plus scandaleuse, considérée comme telle, de la pensée de Spinoza, parce qu'évidemment, on dit « Ah oui, mais alors, dans ces cas-là, il n'y a personne n'est responsable. » Le problème n'est pas de savoir si on est responsable ou pas. Le problème fondamental de la haine, c'est empêcher qu'elle existe. C'est empêcher que... Parce que il y a cette magnifique proposition qui m'a tout de suite séduit quand j'avais 18 ans et que j'ai lu Spinoza très mal d'ailleurs, c'était « Qui imagine détruit ce qu'il a en haine sera joyeux. » Et c'est vrai. Alors, il y a plusieurs façons de détruire. C'est-à-dire, par exemple, là, quand je parle du connard, et c'est une scène de rue, une scène de métro, etc., que veut dire le détruire ou l'imaginer détruit? C'est quand même la forme la plus douce, c'est « dégage ». Je ne veux plus te voir. C'est l'éloignement, c'est la séparation. Se séparer de celui qui m'attriste, dont je pense qu'il est responsable de ma tristesse. Mais évidemment, la forme la plus excellente de la destruction, ce n'est pas l'éloignement, c'est la destruction tout court. C'est tout. C'est-à-dire, c'est exterminer, ou l'imaginer déjà exterminé. Quand j'ai appris que ce qui se passait en Birmanie était une autre version de la haine sur le point de se transformer en génocide, il a fallu que clandestinement, derrière le dos de la sécurité militaire, j'essaye d'aller comprendre sur place. La Birmanie est avec Ceylan l'autre grand pays du bouddhisme originel de l'école Theravada. La ville de Mandalay, dans laquelle vivent 300 000 moines, est sans doute la plus grande ville bouddhiste du monde. Mon impression initiale, c'est l'émerveillement de retrouver intact le bouddhisme de mes 20 ans, tel que je l'avais connu à Ceylan. En moi, les phrases du Bouddha que je préfère se font lancinantes. Elles ont toutes été gravées sur les 729 stèles de marbre, protégées par 729 stupas, dans l'enceinte de la pagode Kutodo, à Mandalay. Je les écoute, je les reconnais avec bonheur. Certains jours, nous nous sentons tels des étrangers dans ce monde. Mais lorsque notre cœur s'ouvre, nous comprenons que notre place est précisément ici. Mettez-vous à la place des autres. Si vous y arrivez, vous ne serez plus capable de faire du mal à autrui. L'amour au passé n'est que souvenir. L'amour au futur n'est qu'imagination. C'est seulement ici et maintenant que nous pouvons aimer. De même qu'un singe qui prend ses ébats dans la forêt, saisit une branche puis l'abandonne aussitôt pour se raccrocher à une autre, ainsi, ce que vous nommez pensée, connaissance, se forme et se dissout sans cesse. Chaque matin, nous renaissons à nouveau. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui importe le plus.
L'acte de pardonner nous profite d'abord à nous-mêmes, puisque nous cessons ainsi de porter le fardeau du ressentiment. Mais nous n'accepterons pas pour autant que l'injustice se reproduise. Vivez comme si vous deviez mourir demain. Apprenez comme si vous deviez vivre toujours. Doutez de tout, et surtout de ce que je vais vous dire. Il y a quelques heures encore, des familles musulmanes vivaient dans ce groupe de maisons. Par une entourloupe du sort, en cherchant à me débarrasser de ma haine, j'ai découvert la haine raciale à livre ouvert. C'est ainsi qu'est né un film que je viens de terminer sur les paroles de haine et les pogroms qu'elles peuvent susciter. Il s'intitule « Le Vénérable W ». J'espère que cela m'a guéri. Je n'en suis pas encore sûr. Je n'arrive toujours pas à oublier que ces arbres ne repousseront plus de mon vivant, ni même de celui de mes petits-enfants.